Hey boys and girls, on se retrouve pour la suite de Saints Row 2 et c'est visiblement le bordel dehors. C'est une nouvelle session, c'est pour ça qu'on se retrouve calmement dans l'appartement, appartement dans lequel on n'a absolument rien fait. Après, j'avoue que on n'a rien du tout là-dedans. Oui, quitter la garde-robe, on n'a rien dans la garde-robe parce que je n'ai jamais acheté de fringues en dehors de ceux qu'il fallait acheter dès le début du jeu. La planque d'armes. Je n'ai pas d'armes à l'intérieur. Évidemment, j'ai un fusil. Ok. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour prendre... J'ai 8000 balles dans ma réserve. Ah, c'est ce que me donnent les quartiers et tout ça. Ah ouais. Bon, on les prend. On les prend. Allez. On est pété de thunes. Personnaliser mon habitation. Il faudra peut-être que je personnalise mon habitation. Un jour. Ce serait bien. Bon voilà. On regardera ça plus tard. On va voir un petit peu l'habitation, tiens. Faisons ça. Parce que là, je vois que j'ai une jauge à zéro. Ça doit être pour le style, du coup. Alors, je sais pas ce que ça donne, le style, toujours pareil. Mais bon, hein, si c'est sympathique, c'est déjà ça. Personnalisation d'habitation, style général. Bon marché. Deluxe. Ah oui. Ah oui, c'est pas la même. Appart de Mac. Ah oui. Ah oui, d'accord. Bah déjà, on va prendre un appart de Mac, on va pas se mentir. On va prendre un truc un minimum bien, tu vois, déjà qu'on n'a pas acheté 118 maisons différentes. Style niveau 1 accordé. Ton style. Ah, d'accord, il faut l'augmenter pour qu'on sache à quoi ça sert. Ton style augmente au fur et à mesure que tu dépenses ton argent dans les fringues, les voitures et les propriétés. Les niveaux supérieurs te rapportent plus de respect. Ah! Tu gagneras 5% de respect en plus pendant les activités et distractions. Donc ça, ça permet que si on fait une activité, genre 5%, ça va nous faire... genre des activités, c'est pas rare de gagner 5000, tu vois. 5000, ça veut dire que 10% de 5000, c'est 500, donc ça me fait 250 cadeaux. Ah, j'aurais dû améliorer le style dès le début, en fait. Ah oui. Ah oui. Bah on va dépenser de l'argent parce que je peux faire encore 7 missions et bastions là actuellement. Et je pense qu'il y en a plus que 7, donc c'est clairement ce qui nous intéresse le plus, d'avoir du respect et donc du style. Après l'argent, on en a besoin pour les armes aussi, etc. Mais je crois qu'on est plutôt pas mal, on peut faire au moins quelques missions avec, ce qui permettra d'avoir de quoi racheter les armes derrière. Bah du coup, on va pas se mentir. On va prendre ça mon gars, 10% de respect en plus, voilà, c'est ce qu'on veut. Zone de bureau. Plus 48 en style. Voilà. Le lit. Lit de Mac en kit. Voilà. Voilà, extraordinaire. Vraiment du bon goût en plus. Hein. C'est la police, ça continue. Et d'un coup, j'ai envie d'aller acheter des vêtements, quoi, tu vois. C'est genre... Le monde entier est devenu intéressant d'un coup. Ah si, il y a un truc de vêtements juste à côté. On va y aller. On va y aller avant. Je compte faire la mission de Brotherhood qui est juste là. Juste ici. Donc, pas de gain de respect directement, mais si je peux augmenter le style tout de suite parce qu'il y a un truc de vêtements, autant le faire. Alors, qu'est-ce qu'il propose ces gens? Plus 10. Ah non. Ah non, je refuse d'être I2 par contre. Maillot de cœur. Ah, mais c'est vraiment le truc. Gilet en jean. Ouais. Je ne sais pas. C'est pas fou, hein. Parce que j'ai déjà un truc qui est plus 2. On le voit pas. On ne les voit pas du tout. Bon, allez. Un peu déçu. Pas très intéressant. Faut que je trouve un truc de luxe, tu vois. Parce que là, c'était genre on the rag. Merci bien.
Faut que je trouve un truc un peu... peu luxueux. Là, ça me fera la race de style, vu que ça coûte cher. Bref, on a déjà 10% de gagner. Ah oui, et puis je peux acheter des maisons derrière, c'est vrai. Peut-être qu'en achetant les maisons et en les améliorant. Ou je peux améliorer mon QG aussi. C'est vrai que je peux améliorer mon QG. Je sais pas si ça augmente mon style d'améliorer mon QG. On verra plus tard. Faisons la mission. Parce que là, je vais me perdre dans le style d'un coup. Bonjour. Ah. Beau quartier. Charles, where the fuck are you? I think your people skills need some work, sweetie. Jessica, how'd you like Mero's new tattoo? Actually, I think it's pretty sexy. Rugged, tough. Radioactive. That's cute. I try. Now, what the fuck do you want? Well, I just wanted to let you know that since you were nice enough to give my man a makeover, I should return the favor. Don't worry, by the time we're through with him, Carlos will look just as handsome as Mara. Listen up, you fucking bitch! Of course, I don't have access to the same materials you did, but you know, I figure we can make do. When I find you... I mean, I'm sure you'll do something scary. Do me a favor, when you're scraping up your buddy's face, just remember, Mara gave you a chance to be his partner. Carlos. Oh bon sang, Carlos. Asphalte rouge. Va au garage de Denis. Ok. Carlos. Enfin, on lui avait dit à Carlos, frère-toi, un bon gangster, tu vois. On aurait dû se douter. On aurait dû se douter. C'est par où? Là, c'est dangereux ce que je suis en train de faire. Ça passe? Ça passe. Ok, cool. Carlos, j'arrive. Non, parce que ils ont Carlos. Nous, on va choper Denis. On va faire un échange en bonne et due forme. Et on va leur dire. Denis, on sait où il habite. Tabasse Denis jusqu'à ce qu'il avoue et Carlos. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Alors attendez deux secondes. Voilà, merci. Alors, tu n'es pas Denis. Où est Denis? Denis. R. Ah mais faut que je le tabasse, faut pas que je le tue par contre. Voilà. Denis. Denis, ça commence à bien faire. Attends, deux secondes, Denis. Je suis sympa, j'y vais au point avec toi. Parce que bon, tu m'énerves. Denis. Denis. Mero's bitch. Of course you know. I can't tell you. Mero will kill me. Well, that's up to you. Where's my boy? Huh? Where my boy? Getting tired of playing with you, Donny. I heard him say they were gonna take him on a ride around the docks. Denis. Voilà. Santé de Carlos. Oh merde, on se départ. Faut qu'on se débrouille pour aller vite, vite, vite. J'ai pas le temps de jouer avec vous. Carlos qui m'attend. Oh, bâtard. Ça, c'est une voiture de mon gang en plus, là, les niveaux. C'est une bonne voiture, mon gang, mine de rien, ça avance vite. J'ai loupé la route. Hop. Aïe. Tout va bien. Pourquoi comment ça dans l'autre sens? Attends, mais j'ai le GPS qui me ment. C'est pas possible. C'est abominable. Alors, excusez-moi, merci. Le GPS me dit derrière, mais je sais très bien qu'il me ment. Tiens le coup, Carlos, hein, tiens le coup.
Ouais, des Carlos. Le truc il a volé dans la minimap, tu sais, j'ai rien compris. Le plus simple c'est encore de regarder où est-ce qu'on est. C'est là. Ok, là sécurisé Carlos. Enfin, sécurisé, on se comprend. Pas couper le pied quand même. Non. Mais non. Je sais pas, tu prends une pince, tu vois. Alors, tu coupes le truc. Ah bah non. Oh GG. Oh GG là. Oh GG. Ah c'est la guerre. Et jusqu'à... C'est la première mission. Parce que même quand on balance, tu vois, des trucs radioactifs dans les tatouages de l'autre gars, c'est marrant, tu vois. Enfin, dans un jeu. Toujours pareil. Mais c'est un peu dans l'ambiance guerre de gang, mais on se fait des blagues ou tête, tu vois. Là, c'est devenu chaud. Là, c'est devenu triste. Bâtard. Carlos. Vous avez sorti de prison, Carlos. Du coup, où est-ce qu'on en est de la vie? On va prendre ça. J'ai encore ma voiture de type pas du tout. Ah oui, attends, est-ce que je peux avoir du coup? Ah oui, pour renvoyer un groupe. Okay. Donc maintenant j'ai deux mecs avec moi. C'est marrant. Bon, ils sont en train de tabasser le monde entier. Mais dans le principe, c'est marrant. Allez-vous-en. Ah, les mecs... Pourquoi il y a autant de gens là d'un coup? C'est qui? C'est les mousquetaires qui m'en veulent? Je pense à bien faire. Ah, ils sont des millions, tu sais. The fuck. C'est même pas des mecs de gang, tu sais, je gagne pas de points. Ah ouais, je réanime mon pote. Il est où? Il est tombé? Ouais. Bon, on va se casser d'ici. Parce qu'honnêtement, ça te sent pas bon là. Il y a le club des chapeaux là. Le club des mousquetaires. Je sais pas ce qu'ils font. On va y aller, hop, on les vire. Voilà, hein, on les vire. On a pas que ça à faire. Putain, mais. Les chapeaux tueurs là. Ouais, y'en a d'autres là, de toute façon, de mon gang. On peut les choper facilement. On peut les choper facilement. Hop! T'es avec moi. Fais pas n'importe quoi. Prends une voiture. Et puis on se casse. Faut que ça fait. Hop, là y'a de la bonne musique. Allez, José! Un garage. Oh, le garage, je veux la voiture là. Alors attends. José, 2 secondes, on va la ramener la voiture là, puis on en prendra une autre. Non, parce que ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que c'est un petit truc comme ça, ça va vite à faire, les garages sont pas spécialement loin parce qu'il y en a quand même pas mal. J'ai récupéré pas mal de listes. Et ça file un peu de thunes, un peu de respect, c'est cool. 1220, tu vois, c'est sympa. Pour voir la liste, j'ai pas besoin de voir la liste, j'ai récupéré. Je l'ai récupéré. Donc tout va bien. Vas-y, on va prendre le camion là. José, champion. Ah. c'était une tentative. Allez, oh, la loupée. Oh, ouf.
Ouf, José. On est pas bon, José. Hein. On est pas bon du tout. Voilà. On y a réussi. Finalement réussi, quand même. Alors, on disait... bonjour, Bastion. Vas-y, passe. Passe, mon gars. Passe, mais grouille-toi un peu. Allez, bye. Ouh. La musique. Beaucoup trop serré le virage. Mais regarde, José, regarde. Quand je maîtrise la route. Alors. Bastion. On va continuer sur la Broder Wood, là, c'est juste à côté. Merrill went to check on Donnie, but when he left, he went straight to the docks to set up some business deal. I don't know what's going on, but a convoy of Brotherhood are going to the docks now. If you can hijack one of their trucks, you could probably join the convoy, get to the meeting place, and take out all the motherfuckers that show up. Ok, détourne le camion de la Brotherhood. Allez, allez José, go go. On a pas le temps. Ils ont tué Carlos. Enfin, Gigi a tué Carlos, mais bon. Bon, on en est, hein. Est-ce vraiment différent? Je ne sais pas. On prend les munitions quand même. Ne déconnons pas. C'est important les munitions. José, sache que les munitions c'est important. Allez, hop. Attends le véhicule de la Brotherhood. J'ai vécu la mode à roue au point de rendez-vous. Ah oui, là on fait genre on est de la mode à roue. Ah, c'est une infiltration. Là, José, c'est une infiltration. On fait genre on est des méchants. Ce qu'on est, on est les méchants gentils. On est les méchants sur lesquels sont centrés l'histoire. Ok? Ok. Il est pire que moi le mec. Hein. Oh la destruction. Comment faire en sorte qu'elle ne soit pas pris dans le trafic? Tu le rends super puissant. Il fonce pas. Le mec c'est un bulldozer ça. Bonjour. Au fait, on est là. C'était là le point de rendez-vous? Excusez-moi. Il paraît que c'était ici. Oh! 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 Oh les dégâts! Oh les dégâts! Putain, José aussi est pas bien. Ok. On a encore vie. Ok, on a encore vie. Vas-y. Vas-y mon gars. On a José avec nous. Il est de nouveau bien. Il y avait un mec qui courait par là. Je suis pas fou. Ah non, il est au-dessus, c'est vrai que c'est un triangle. Triangle c'est au-dessus. Hop. Alors. Quoi Jessica? Qu'est-ce qu'elle a Jessica? C'est pas contente, elle vient le dire. Wow. Ok. 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 C'est vrai. Ce qui est dit Gigi est complètement vrai. C'est le mauvais jour pour me les casser. Voilà. Quelle allée Poséidon terminée, 5000 de tuiles, merci bien, Poséidon allez, c'est fait. Débloquer Ninja, tu as débloqué l'option de personnalisation Ninja. Accède à la personnalisation de gang dans la planque des Saints pour changer le style de ton gang.
Ok, cool. Cool, cool, cool. Bah, on a bien avancé, on a bien pété les couilles à la Brotherhood, et ils nous ont tué Carlos. Tout va presque bien.